Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Zoria, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. On a un gros problème les gars, faut vraiment discuter avec vous par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport à mon inactivité sur la chaîne. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que je ne suis pas très très actif, je fais pas beaucoup de vidéos, et je vous en parle pas malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de temps de vous en parler. J'ai mis ça à la place ici. On va faire des petits combats Clash Royale en attendant, parce que bah, c'est mon seul moyen de vous faire des vidéos en ce moment. Voilà, c'est bon, ça marche. J'ai pas une collection énorme et excellente en ce moment, donc vous allez devoir vous contenter du Clash Royale. Donc, alors, mon inactivité est du fait que j'ai repris les cours, là, depuis très peu, non, depuis lundi. Alors là, si je peux vous faire des vidéos, c'est parce que j'ai le temps, j'ai fini plus tôt mes cours, là, en ce moment, je finis, bah, demain, c'est pareil, je finis, j'ai fini l'après-midi. Donc c'est cool tout ça, hein. J'ai pas cool l'après-midi, ça c'est cool. Impression. Maintenant, là j'ai le temps de vous parler du Clash Royale, mais qui me dit que j'aurai le temps de faire d'autres vidéos parce que du coup j'ai pas mon PC pour l'instant, vu que c'est la rentrée, voilà, j'ai pas le PC actuellement. Du coup pour moi c'est compliqué de vous fournir du contenu de qualité en plus, parce que du coup là je filme avec mon tablette tactile et que le micro change beaucoup, ça change radicalement par rapport au micro que j'avais avant, c'est clair. Avant j'avais quand même un micro de meilleure qualité, hein, mon micro casque. Malheureusement actuellement je ne l'ai pas étant donné que je suis en train de vous... je n'ai aucun moyen de l'utiliser. Pour l'instant je ne sais pas comment le brancher sur tablette. Je l'ai branché tout à l'heure, ça n'a absolument rien fait. Ça n'a pas voulu me le prendre, ça ne me l'a pas vraiment pris en compte en fait, simplement. Alors j'ai des petits ralentissements par contre sur le jeu, alors c'est pas dû au règle, hein. C'est dû à ma connexion. Là, étant donné que j'enregistre avec le répéteur de connexion internet de ma chambre. Bah en gros, tout simplement, je ne règle pas avec la vraie box. Donc ça peut créer des problèmes de connexion. Du coup je peux m'en excuser malheureusement. Mais voilà. Du coup aussi il faudrait que je vous parle par rapport à Magical Star Sign. J'ai des gros soucis là-dessus. J'en ai marre. J'en peux plus. Ce jeu va me faire rager. J'adore ce jeu. Mais sur PC c'est galère. Et oui, l'émulateur ne tient pas. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant il y a un nouveau bug qui est arrivé. Qui s'appelle le bug du plantage automatique. Bon là par contre ma tour est morte, hein, je m'en excuse, mais ma tour est morte. Mais en gros, je vous explique un peu le truc, l'émulateur plante tout seul. Il s'arrête, enfin le jeu en gros il bug. Il s'arrête tout seul le jeu. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient ce bug. Bon là je me concentre pas du tout sur le jeu, donc excusez-moi pour le gameplay de merde que je vous propose. Malheureusement je peux pas vous proposer un meilleur gameplay. Je joue sur le coup là encore une fois je ne joue pas en différé, donc ça explique le contenu que je peux vous proposer actuellement sur Clash Royale. Hop, mince, alors j'avais pas vu que j'allais mettre ça là. Donc hop, armé de squelette. J'essaie de défendre, mais c'est chaud. J'ai pas mon billet de combat en plus, hop, on va m'envoyer le mini PK, puis dès que je peux j'envoie le billet de combat. Là je vais je m'y attendais ce qu'il envoie. Le sorcier, ah bah la moquette, hein, je m'en doutais. Allez, ferme ta bouche, toi. Bon, bah j'ai perdu, les gars. Bien joué à lui, en tout cas, bien joué à lui. Il a très très bien joué, j'ai rien pu faire. J'aurais pas pu relever la pente. Bien joué à monsieur Bablorn. Eh bien, écoute, de la team Clan Dynamite. Bien joué à toi. Clan Dynamita, d'accord. J'avais pas remonté le symbole d'enregistrement. Ah voilà. Vous avez reçu un billet de combat de la part de Jamie. Ah. Et notre clan continue toujours de monter. Hein. Bah, ça fait plaisir en tout cas que vous me donnez des billets de combat. Hop, merci beaucoup. En direct, je l'op. Ah, j'ai rempli beaucoup d'argent. Franchement, je suis pas prêt de passer niveau 8. Je passe niveau 8, pas longtemps avec ce compte-là. Bah, du coup, on va se faire une petite game. Donc voilà, émulateur. Je sais pas comment je vais faire bientôt. Je vais réfléchir sur le fait de vous produire des vidéos directement avec votre tablette tactile. C'est ma solution de facilité, hein, mais je suis pas trop de solutions pour l'instant. Donc on va partir sur ça. Alors le gars joue, d'accord, il joue cette carte, d'accord. 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 Non mais y a pas de problème. Bon, je vais peut-être me concentrer un petit peu pour cette game. On va donc faire un petit push. Non, toi tu veux pusher de la sorte. D'accord. Très bien. Bah, moi aussi j'ai envie de pusher de la sorte. Donc franchement, tu me laisses push. Et tu me fais pas chier. Oh putain, je suis vraiment con. Bref, excusez-moi pour le bruit gênant que j'ai pu proposer là. En fait, actuellement, je suis très bien, je suis dans mon lit. Ça explique la façon de l'enregistrement.
et aussi pourquoi je vous dis pas quelque chose de qualité, quoi. Oh putain, non. Tu fuis un gobelin de merde! Tu me gâches, tu m'as gâché. Bon, on va envoyer la sorcière. J'ai joué la sorcière. Hein. On voyait les gargouilles. Et là, s'il a pas la boule de feu, je me demande comment il va faire. C'est un push complètement inhumain, évidemment. Là, non. Ok. Ok. On va le provoquer un petit peu, peut-être pour le faire rager. Hein, je sais pas, ça arrive hein, parfois. Il y a malheureusement des petits rageurs sur internet ou sur tous les jeux vidéo. Ok, donc là je finirai pas la tour. Hein. Par contre, on va envoyer un mini P.K. parce que le mini P.K. c'est tout dit contre les Valkyries. Ah mince. Archer, vite, archer, 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 archer. Je veux mes archers. Je m'a fait très très mal, je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Vidéo qui sera pas très longue, je vais faire 3, 4, 3, 3 game. Puis bah on va s'arrêter pour cette vidéo, donc ça va être très très rapide, hein, je ne cache pas. Ah écoutez, je sais pas trop trop quoi faire en fait. Puis en plus c'est plus de 4. On est à Valkyrie, on va envoyer un bélier de combat évidemment, c'est le but. Le but du bélier de combat c'est quand même de pouvoir faire du dégât. Par contre là il va pas en faire beau, il va pas en faire des masses malheureusement. J'aurais bien voulu faire du 3-0 mais ça va être chaud. Ouais là il y a la musquette, d'accord. Il y a la musquette. Oh, ma tour, je peux rien faire. Bon bah j'ai déjà eu. Il a sûrement eu ma tour, non? Non, il a pas eu ma tour! Ah, je suis étonné par contre. Oh, il aurait dû. Ah, boule de feu. D'accord, tu as la boule de feu. Très bien. Bon, je m'en doutais un petit peu quand même qu'il allait pouvoir un peu plus défendre que ça parce que c'était pauvre, hein. Clairement. Oh. Par contre, ça c'est pas cool. Zap. Gagouille. Bon, il va me faire du. Ouais, il va me faire du 1-0. Enfin, du 1-2, pardon, excusez-moi. Mais dans tous les cas, je finissais à la main de squelette que j'ai mal mis. Très clairement, je l'ai mal mis. Mais c'est pas grave. Merci en tout cas, hein, en tout cas pour les 50 abonnés. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la deuxième fois que j'en ai fait un. Super technologique. Putain. Un super coffre magique, d'accord. Putain, j'en pleure, les gars. Oh my god, c'était pas prévu du tout. C'était pas du tout prévu, les gars. Un super coffre magique, les gars. Bon. Un super coffre magique. Oh my god, du coup, j'en suis à quoi dans mes scores? 149. Victoire. Oh my god, bon. Écoutez. D'accord. Je règle une vidéo. Attendez, je reviens. Je règle une vidéo. Une vidéo. Non, pas une visite, n'importe quoi. Vidéo. Non, par contre, tu te tais, toi. Hop, on fait une virgule. Je gagne une partie. Mince. Une partie. Et. Super coffre magique! Attends, je vais l'écrire en vocal. Ça va être trop chiant à écrire. Super coffre magique! Mince, ça n'a pas écrit. Idiot. Voilà! Bon, on va regarder leur match, étonné. Hein, parce que moi j'aime bien regarder les matchs des jeux. Parce que là j'ai pas envie de jouer. Clairement, j'ai pas envie de permettre les trophées. Là j'ai envie de voir un peu comment jouent les autres sur Clash Royale. Donc ce sera notre dernière partie. Ce sera donc la partie spectateur. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Hein. Moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ça a l'air. Super coffre magique. Ah les gars, j'en pleure. Super coffre magique, les gars. Bref. Alors, donc là, ils ont fait un défi du tirage, non? Non, là, c'est un défi normal. Je crois. Je ne sais pas, en fait. J'ai pas regardé. Non, Goblin Survivor, le mec. Et ouais, bon, bah, non.
Non, non. Débile n'a pas ça. Donc, à mon avis, c'est un défi du tirage. J'ai pas vérifié en fait au départ. Là, je suis en train de vérifier un truc. En même temps, oula, ça se finit vite, ça, en fait, hein, cette histoire. Le bébé dragon est en train, tranquillement en train de finir la tour à bombe. D'accord. Alors, l'autre ajoute cette carte, d'accord. Ouais, non, pas de problème. Allez, boum! Fire, fire. J'hallucine, les gars, putain. En fait, là, j'hallucine vraiment. Super coffre magique. Là, je pensais pas ça. Hein. C'est mon deuxième, hein, après tout. Ah, ma ventile a encore buggy. Excusez-moi, j'ai un ventilateur qui absorbe l'humidité de chez moi. Qui en plus est encore mis en défrost. Alors, par contre, pour Devil, c'est très très mal parti. Déjà parce qu'il a perdu une tour et d'autre part parce qu'il n'a plus d'élixir contrairement à l'autre. Qui a full élixir mais qui ne joue plus. Il ne joue plus. Ah voilà, d'accord, il vient de jouer un prince. Prince qui prend mal de dégâts en vrai. Hein. Il prend beaucoup de dégâts. Et va malheureusement mourir dans d'atroces souffrances parce que. Voilà. C'était probable. Malheureusement, il y en a un prince joué comme ça, c'était inutile. Le gobelin Sabagan, par contre, est une carte vraiment bien. Je l'avoue, c'est une très très bonne carte. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que notre cher débile va pouvoir se rattraper et gagner cette game, peut-être. On sait jamais. Ok, donc il lance un petit P.K. On va voir s'il le gère bien, s'il a les bonnes cartes pour le bien gérer. Hors de gargouille P.K. c'est très très bien, par contre, il manquerait plus qu'une petite rage. Ce mec en face ne joue plus, je pense qu'il y a des problèmes de connexion à internet, je ne peux pas le savoir moi-même. Mais à mon avis, c'est ça, c'est pour ça aussi qu'il a perdu. Voilà, nous sommes à 12 minutes de vidéo. Hein. Je vais peut-être faire une dernière partie, je ne sais pas, on va peut-être spectre une dernière partie, ou faire un petit combat contre un autre gars. Combat amical, on va faire un petit défi du tirage. On va voir qui va accepter. Ok, qui accepte? Devil, d'accord. On va prendre la mousquetaire, qui est une carte que j'aime beaucoup quand même. La bûche, hein, forcément, c'est une légendaire, elle m'intéresse. Oula, géant royal, genre, je pense quand même. Putain, c'est dur. C'est dur, mais non. Je prends pas le cimetière d'autre part parce que le bouée, c'est quand même très utile. Et parce que David Kegan, qui sait contrer le cimetière, enfin, qui sait très très bien utiliser le cimetière, mais par contre. Enfin, très bien l'utiliser, mais il le défend pas très bien, on va dire. Par contre, je vous cache pas que là, je suis vraiment dans la merde. Parce que j'ai rien. En fait, je viens de remarquer que j'ai vraiment rien pour défendre l'aérien. Donc, merde. Hein, j'ai envie de dire merde. On va tenter de faire un petit géant royal bouliste. Parce que c'est vraiment cheaté, ça, par contre. Les deux en même temps, ça doit être sur-cheaté, tout fond. Puis le pire, c'est qu'il pourra rien faire. Je pleure pour lui là par contre. Hein. Ok, il a battu mon géant royal. Je pleure pour lui par contre quand même. Parce que je fais quand même pas mal de dégâts. Et que cette tour est morte. C'est bien un premier tour pour nous. Hein, premier tour. On va donc envoyer les gargouilles ainsi que la horde. Enfin, la gobelin à lance. Petit, ok, petit bug. D'accord, ce qui est le squelette géant. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah! J'avais oublié ce petit détail, ça va détruire du coup tout. Ok, puis on va pas réussir à atteindre l'adversaire, c'est pas grave. 14 minutes de vidéo, d'accord. On va attendre d'abord à nouveau le géant royal bouliste. Qui est à mon sens un très très bon combo. On va gaspiller une carte pour rien, je m'en fiche complètement. Je vais juste envoyer la mousqueta parce que sinon je vais prendre cher. Clairement. Oh merde. Bûche. 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 Ok, mort. Très bien. Le minion n'était pas prévu, hein, dans tous les cas, ça c'est sûr. Par contre, mon prince, enfin mon chevalier a avancé. C'est waouh. Par contre, là, on va se prendre un petit combo. Je sais pas quoi faire. Et merde. Armée squelette, vite. Armée squelette. Oui, yes. Il fera pas de dégâts. Puis voilà. Yes, on est en double élixir. Du coup, je vais bientôt pouvoir refaire mon combo. Mon combo de la mort qui tue, hein, évidemment. Je sais pas quoi faire, j'ai rien pour défendre. On va mettre le mousquetaire évidemment.
J'ai pas trop quoi, j'ai pas autre chose hein, pour défendre. Il va prendre ma deuxième tour si ça continue. Armée de cut, évidemment, là. J'ai dit, dès que je peux, là, j'ai en royal. Oh putain, ce combo que je viens de l'envoyer. Non, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-dessus? Ouais, la foudre, c'est bien la foudre. J'ai mis un bouliste, je vais mettre un géant royal maintenant. Allez, allez, géant royal. Merci. Hop. Il a détruit une tour, une de mes tours. Ce qui fait que du coup, il peut encore gagner. Il peut encore gagner. Il a encore le moyen de gagner. Par contre, là, je vais envoyer la bûche. Très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Envoyer la bûche maintenant. On va. Oh putain. Il a envoyé le cimetière. J'ai rien pu faire. Je peux pas la contrer pour l'instant. Ah, je l'ai pas vu. Il a envoyé cette carte. Yes. Ok, mon bouliste l'a gagné. Très bien. Donc, grâce à mon bouliste, nous avons donc gagné cette game. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Ou bah, magique. Super coupe magique. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit like, ça fait plaisir. C'était Zorya Gamers. Allez, sur ce, bye bye tout le monde.